Les observateurs. Comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser? Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Séverine Moon est géochimiste et volcanologue à l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. Elle étudie la composition et les flux des gaz émis par les volcans pour suivre l'activité volcanique, notamment celle de la Soufrière en Guadeloupe. C'est à toi, Séverine. On étudie les gaz volcaniques et les flux des gaz volcaniques pour essayer de déterminer ce qui se passe en profondeur dans les volcans, puisqu'on ne peut pas aller en profondeur, donc on va regarder ce qui se passe en surface. Et la variabilité de la composition des gaz va nous informer sur les processus qui se passent en profondeur. Donc en fait, les gaz ont une mobilité plus importante que le magma, donc on va avoir des informations primordiales en avant-première, avant que le magma remonte, avec l'étude des gaz. J'utilise différents capteurs pour étudier différents gaz, on appelle ça des capteurs multigaz, qui mesurent la composition des éléments majeurs des gaz, donc essentiellement l'eau, le CO2, les espèces soufrées comme le SO2 ou l'H2S. Donc pour cela, je monte régulièrement sur le volcan avec donc ce multigaz qui en gros aspire les gaz, donc j'aspire l'air, et j'ai mon gaz qui rentre dans mes capteurs et j'obtiens un signal qui me permet d'obtenir la concentration de ces gaz. Donc je fais des mesures régulières de la composition et des flux de gaz avec cet appareil, le multigaz, essentiellement sur la Soufrière de Guadeloupe, pour suivre l'activité de ce volcan. Et avec cette technique aussi, en comparant avec d'autres données géophysiques et hydrogéologiques, on est capable pour la première fois vraiment de discriminer les apports externes comme la météorologie par exemple, et les apports plus internes comme des apports de gaz magmatique ou des nouveaux apports de magma. Merci Séverine. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web observateur.fr.